L'autopropos se fait chicoter par fils de rabat. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Coucou, salut, salut, bienvenue dans ce Flash Info. Coupe CAF, premier tour préliminaire, fils de rabat, l'autopropos. 3 buts à 0, s'il vous plaît. Les Marocains ont chicoté, tabassé, laminé l'équipe béninoise AS Loto, bien sûr. Bon. Étouffé d'entrée de jeu par deux buts, hein, Matino. 7e minute déjà et 27e minute avec un pressing intense. Le vice-champion du Bénin s'est incliné 3 buts à 0 en déplacement au Maroc face, bien sûr, au fils du Rabat, c'est-à-dire bon, Fat Union Sportive Club, vous voyez, et tout bon. Dans la foulée, Ben Idriss Traoré, le gardien de but des Verts, a arrêté un pénalty à la 48e minute. Mathias Deguenon et ses poulains, bon, il faut désormais une différence d'au moins 4 buts à Cotonou la semaine prochaine pour passer au tout prochain. Vous voyez, c'est quasiment impossible pour cette équipe de Popo. Et en tout cas, ne nous leurrons pas. Les Marocains, les Maghrébins ont encore dicté leur loi au sud africain, c'est-à-dire en le club de l'Afrique subsaharienne, tout ce que vous voulez. Et Coton, bon, qu'est-ce que je dis, Coton contre ASEC, on a vu un peu ce que Coton a fait, match nul à domicile, 0 but partout. Et voilà l'autopropo qui va prendre une tasse. 3 buts à 0 à l'extérieur, c'est un balade de santé. Et vous voyez, c'est Bérésina, tout ce que vous voulez. En tout cas, il n'y a plus de qualification à ce niveau-là. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas se donner, bien sûr, des courages indiens, tout ça là ici. J'espère que vous avez, bien sûr, aimé ce Flash Info. Donnez vos avis en commentaire. On essaiera d'en débattre par rapport à cette désillusion, débâcle, balade de santé, tout ce que vous voulez, de Coton et FC. En tout cas, je serai très ravi de vous lire en commentaire. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Avec un portable Android et une connexion, me parler de chômage. Coucou, salut, salut, comment tu vas? Prends ta formation YouTube avec moi. Tu pourras bien sûr faire des contenus YouTube jusqu'à aboutir à la monétisation des vidéos par-ci par-là. Et tu pourras être payé par YouTube à la fin de chaque mois. Ou bien si tu travailles déjà quelque part, tu pourras avoir bien sûr des revenus complémentaires. Si tu as déjà une chaîne YouTube et tu veux de visibilité par rapport à cette chaîne, tu veux monétiser, bien sûr cette chaîne-là paramétrera tout ce que tu veux. On est en promotion actuellement, les prix sont fracassés, divisés. Donc prends bien sûr ta promotion avec moi. Tu pourras vivre bien sûr de ta chaîne YouTube.